Bonjour, bonjour la famille, bienvenue à Huile Agro. Là, je vous présente un incubateur semi-automatique. Voilà, vous avez tous les détails sur la machine ainsi que notre logo. Modèle STC1000 système semi-auto. Tension 220 volts, consommation c'est 250 watts. La capacité est de 189 œufs. Bon, ici, vous avez l'interrupteur qui est le on-off de la machine. Et ici, vous avez le contrôleur de température qui est numérique d'ailleurs, dont vous pouvez faire les réglages en fonction de la température souhaitée, en fonction d'espèce bien sûr. Donc, c'est par là que vous avez, voici les boutons pour régler, elle est numérique. Ici, je vous présente l'intérieur de la machine. Bon, là, vous avez les trois plateaux de retournement, les trois plateaux d'incubation, je veux dire. Vous avez également le bac d'eau en bas. Ce modèle-ci, on a fait qu'avec ampoule. Donc, c'est l'ampoule qui gère le chauffage. Là, c'est pour réduire la consommation parce qu'avec résistance chauffante, ça consomme beaucoup. Donc, on a préféré mettre de l'ampoule qui est de 100 watts plus la consommation du système de ventilation et de thermostat qui est estimé à 50 watts. Donc, ça fait un total de 250 watts qui est la consommation. Bon, voici comment l'incubateur vient chez vous avec ce manuel d'utilisation pour vous faciliter l'utilisation. C'est ça le principal outil que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, vous avez là, c'est une machine qui est déjà achetée. Je ne peux pas trop exposer la facture, désolé. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-nous et vous aurez votre propre facture. Vous allez voir tous les détails de la facture. Bon, ici, voilà ce que vous allez retrouver dans ce manuel qui est important pour vous. Ici, vous avez un tableau d'explication sur la température recommandée d'incubation. Donc vous avez les espèces, le nombre de jours, la température d'incubation, température d'éclosion, l'hygrométrie d'incubation, l'hygrométrie d'éclosion. Vous avez également les types d'œufs à ne pas incuber. Vous avez également le développement de l'embryon dans la machine. Donc je vous prie vraiment pour ceux qui sont intéressés, de passer vos commandes via le numéro qui est affiché sur votre écran. Pour ceux qui veulent nous retrouver facilement, vous pouvez également nous trouver sur YouTube. Via notre chaîne YouTube Huile Agro, et surtout vous pouvez également passer votre commande directement dans les commentaires. Donc je vous prie vraiment de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications qui sera basée sur l'élevage. Donc nous allons parler ici là de l'élevage, des produits d'élevage, c'est-à-dire incubateurs et construction de bâtiments, tout ça. Nous allons vous parler des différentes espèces, comment les élever, comment composer leur aliment, comment le gérer, comment le traiter. Donc, nous allons échanger avec vous nos connaissances, partager avec vous ce que nous savons de l'élevage. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es vraiment passionné de l'élevage et que tu regardes cette vidéo YouTube, ce n'est pas un hasard. Je te prie vraiment de t'abonner à notre chaîne YouTube et surtout de partager afin d'aider des personnes qui sont dans des endroits où ils n'ont pas pu voir cette vidéo. Donc, je te prie vraiment de partager autour de toi. Vraiment, partage, je te supplie seulement. Et aussi pour les aider également à avoir ces connaissances que nous avons également partagées là-dedans. Pour toi qui es vraiment un passionné de l'élevage, qui est vraiment intéressé par l'élevage, ça c'est une occasion, une opportunité pour toi d'avoir plus de connaissances, plus de bases dans l'élevage. Parce que nous allons vraiment échanger avec vous sans cacher des choses et vous faire le savoir de ce que nous connaissons. Donc, si tu es vraiment intéressé, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir, d'être alerté sur nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.